Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour la suite de Frostpunk. Il fait toujours très froid, on est toujours en direct sur Twitch. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat. Et on essaie de se dépatouiller avec notre deuxième chance. Hein. J'ai un petit peu... Est-ce que c'est triché? C'est pas vraiment triché. J'ai rechargé une partie pour pouvoir reprendre là où tout est parti en vrille. Alors, les éclaireurs sont rentrés. Je vais les envoyer du coup, hop, dans la grotte lugubre. Allez, on y croit. Badam. Ça se passe plutôt bien. Je vais sauvegarder maintenant parce que ça se passe plutôt bien. Je vais appeler 2.1. J'écrase et je reprends parce que au cas où, si ça repart en bigrenouille. Là, ça c'est pareil. C'est heure de boulot, hein. S'en fout de que ça marche le soir. Abri, cantine. Là aussi c'est pareil d'ailleurs. Voilà, là ça ferme. Ah, il y a quand même beaucoup de gens malades. Ça c'est un peu relou. Faudra qu'on fasse une infirmerie. Une seule ce serait bien par rapport à la quinzaine que je me suis tapé dans le let's play précédent. Allez, on accélère. On est bon en charbon, là. Les éclaireurs sont rentrés en ville avec plein d'ouvriers et des enfants. S'ils sont rentrés, on peut les faire repartir. Le bosquet gelé. Tesla City. Allons explorer Tesla City. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Un autre vol? Ah, pas ça. Un décès? Pourquoi? Mort dans une bagarre? Wow. Gardien de la foi tué. Un des gardiens de la foi a été tabassé à mort alors qu'il pourchassait les londoniens. On a attrapé l'un des voleurs mais il n'est pas le meurtrier. Que devons-nous faire de lui? Il a une chance de se repentir. Alors... Voilà. Ah non, tu me diras là, c'est hors zone. Les londoniens perdent des partisans parce que les premiers sont convaincus de rester maintenant, ça c'est bien. Alors j'ai plein de bois. Ça c'est bien. Pourquoi j'ai refait ça là? Ça colle pas au niveau architectural. Je complique ma ville. Non, là c'est pas mal franchement. Il reste pas mal de... Est-ce qu'on peut pas optimiser encore plus le bois avec une autre station de forage?
Comme ça, on optimise. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Allez. Il me reste des ingénieurs. Ouais. Alors, qui dit ingénieur dit atelier. Et je me referais bien un petit atelier là. Ok. Les éclaireurs ont atteint la grotte lugubre. Il y a des ours. Risque en attaquant les ours. C'est bon. On a récupéré les gens. Oh, je triche un petit peu, mais c'est pas grave. Oh, ça va, c'est la troisième fois. Jamais 203. J'ai déjà galéré suffisamment dans ce jeu. Dans ce niveau. Alors là, les gens ont très froid. Je cherche quoi là? Portée du générateur 2. Ok, recherche terminée. Honnêtement, autant que les gens déménagent et qu'ils viennent ici, s'il y a de la chaleur, si on peut être de la chaleur, ce sera parfait. Hop, voilà. Ok. Une rapide portée des foyers. Allez. Rapide. Hop là. Allez, j'y crois. Faire des technos ultra rapides. Il va falloir qu'on s'intéresse à la bouffe aussi, quand même. Ça, faut qu'on améliore la production d'acier. Je vais envoyer Lulus faire hop ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Fais le moins de mal. Capitaine, un docteur sera parlé avec vous des traitements radicaux. Oui, je lui avais dit que hop, je lui donnerai ce qu'il voulait. Il y a des gens mécontents. Du coup, une cérémonie, on paye en bouffe.
Ok, porter des foyers, ça veut dire que... Alors, mettez pas deux à chaque fois non plus automatiquement. Entrer en ville sain et sauf. Très bien. Hop, zou. Toi, je t'envoie au bosquet gelé. Zoupla. Arbre de techno. Alors là, je peux partir sur les ressources. Il faudrait que j'augmente la scierie. Hop, là, laisse-moi récupérer mes ingés. Ok. Voilà, il n'y aura que des maisons chaudes maintenant. End of shift. Donc, la scierie là. Ok, et ça va aller à l'acier, à la scierie. De la scierie à la scierie. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Davantage de lits de malade nécessaire. Je vais ouvrir un nouveau poste médical. Ou pour qu'un tiers des malades soit admis en traitement. Je vais ouvrir un nouveau poste médical, c'est beaucoup plus simple à exaucer. Et puis c'est une bonne chose. Allez. On va avancer vers l'infirmerie au bout d'un moment. Et d'ailleurs... Abri pour enfants... Bon allez, pour 5 aciers. Funérailles au cimetière. Allez, c'est pour le garde. Allez, construisez tout là. On est en retard sur les constructions. Bon, c'était les funérailles en même temps. Voilà, promesse tenue. Fin du brigandage. Capitaine, nous avons mis fin au vol. Très bien. 53 rations de nourriture et 47 de bois. Alors le charbon, il diminue bien quand même. Hein. Adaptation. Alcool artisanal. Chaque repas diminue le mécontentement et manger de la soupe cause moins de mécontentement. On va produire plus de nourriture. Partout. Voilà. Histoire que dès maintenant on puisse commencer à faire des ressources. Stocker des ressources. Et en parlant de ça, plateforme de chasse. Voilà.
Mais il fait chaud. Alors, s'il fait chaud. Alors, attends, ça c'est pas encore activé. Bon, je vais le mettre à partir de 8h. Quand les foyers vont s'activer. Voilà. Donc, faut pas pousser mémé dans les orties. Pas laisser allumer là où il fait super chaud, hein. Économie de charbon. Bon, je vais vous laisser en supportable, hein. Je suis gentil. 102 102 malades, 5 gravement. Mouah. J'étais sûr d'avoir fait les choses bien là pourtant. Mais encore une fois, je laisse s'accumuler. Les gens malades. Ah, ce poste médical, il veut pas du tout servir, hein. Ok. Ça diminue bien quand même là le charbon. Machine différentielle. Alors, Art Techno. Efficacité du générateur. Il va moins consommer. Allez. Tiens, d'ailleurs ici il n'y a plus personne. Faut peut-être vider. Hop. Alors attends. C'est que des ingés là qui me restent. Je vais remettre un atelier. Obsession atelier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nourrir les nécessiteux. Alors, une cache illégale contenant beaucoup de nourriture, la distribuer aux nécessiteux. Allez, nous nourrissons les nécessiteux. Plus de malades graves. Oh, une journée très difficile. La fameuse journée qui fait péter un plomb. Alors le bois, j'arrive au bout là. Ok, efficacité du générateur. Des foyers de vapeur.
33% de charbon en moins, ça c'est bien aussi. Augmenter l'efficacité des mines de charbon et tout. Ben, ça c'est bien aussi, faut le dire. Voilà. Petit dépôt de ressources. Ils ont atteint Tesla City, alors attends. Je les connais, les petits filous. Alors la fois dernière, vous vous souvenez, je suis pas entré. Pensons qu'ils sont tous morts. Et je me demande si... En fait, je crois qu'ils sont obligés de mourir, mais c'est comme ça qu'on peut après débloquer le... Ah si, ils ont réussi. On peut l'éviter. Et c'est un avant-poste pour... alors. Un avant-poste pour des noyaux de vapeur. Pour un autre vapeur par jour. Vous vous rendez compte, c'est ouf. Mais c'est au potentiel risque de ton personnage. Ah, ça c'est bien. Des autres vapeurs, tu m'étonnes. Alors. Là, il n'y a plus rien. Ah. Faites bosser des ingénieurs ici, vous. Allez. Ça va être pour le bois. Hop là. Peut-être encore... alors, 4 jours. On va les faire craquer comme la fois dernière. Allez, prière du soir. Gens qui tombent gravement malades. Le Dreadnought. Allez, on l'explore. On prend les ressources. Et on passe à la station de recherche. Allez là. Reste encore des ingénieurs. Je vais refaire un atelier.
Voilà. Par contre, j'ai tellement de gens là qui tombent malades, ça m'énerve parce que pourtant on est... La vie est plutôt cool là. Il fait chaud tout ça. Parce qu'on prend pas suffisamment le temps de soigner tous les gens qui sont déjà pas tip top. Donc là, il faut qu'on arrête d'accumuler les gens malades. Je vais avancer sur une infirmerie. Oh là, le charbon, qu'est-ce qui se passe? Les foyers consomment trop là. Ok, charbonnage, ça va produire davantage. J'ai dit quoi juste avant? Ah, je peux améliorer l'efficacité des foyers de vapeur. Oui, santé. Infirmerie. Ouais, c'est vraiment trop important là. Là, clairement, niveau 2, ça sert à rien ici. Station de recherche. Eau de vapeur, acier, bois, on explore. Couloir de glace. Allez jeter un œil. Et après vous rentrez. Idem là en fait. J'ai tout laissé comme ça mais ça vaut pas forcément le coup. C'est pas grave, là on va rééquilibrer. Déjà là on a fait une sacrée économie. Qu'est-ce qui se passe? Moins d'amputation. Ah, très bien. Beau travail, docteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amputations en ce moment. Hop, allez, on veut déjà la mine de charbon. Là aussi, la portée. Hein? Voilà. Ok, infirmerie, c'est bon. Liste d'infirmerie. Soignez les habitants 15 fois plus vite. Alors attends. Ah. On va déjà améliorer la mine de charbon. Voilà. La big infirmerie.
Adaptation, on est bien adapté là. Au niveau du but, des hôtels. Hop. Hop. Et hop. Allez, fin du boulot. Alors attention parce que là bientôt une grosse journée. Besoin urgent de soins. Je vais ouvrir immédiatement une infirmerie. Promis. Couloir de glace. Le dreadnought abandonné. T'as quoi dans le stock? Oh, allez, rentre. Je te renvoie juste après. Plus que deux. Allez, speedy. Hôtel construit, l'espoir augmente. Bosquet gelé, on aura du bois. Plein de bois. Et... bon, bah, va jusque là-bas. Au moins pour le charbon, on a réussi à stabiliser le truc. Il n'y a plus qu'un seul londonien, il va peut-être partir tout seul. Infirmerie ouverte. 24 personnes gravement malades. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose, ça pas du tout. Donc les petits malades, faut vraiment s'en occuper tout de suite, sinon après t'es dans la merde. Hop. Bon, je trouve pas les autres, c'est pas grave. Oh là 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 là.
Voilà. Livre des lois, des cuisines mobiles. Qui augmente la chaleur à côté. Mécanisation des infirmeries. Liste d'infirmerie surtout. Hop. Voilà. Pour traiter plus rapidement. Alors, cuisine mobile. Où est-ce qu'on a froid facilement? Ça peut être bien d'en rajouter une là. Elle est 10 acier là. Oh, arrêtez d'être malade. Maladie, c'est quand même terrible. Vent d'espoir, c'est une bonne nouvelle. Va falloir qu'on puisse soigner tout le monde. Bon, le charbon a bien diminué, c'est pour mieux augmenter. Il avait baissé le temps que les mines ferment pour la reconstruction. Ok. Aciérie avancée. Faut vraiment qu'on soigne tout le monde. Ok. Sain et sauf. Plein de ressources. C'est super. Bon, par contre, dès que tu les laisses tomber malades, il faut vite les soigner. Enfin, faut pas les laisser augmenter. Faut pas laisser augmenter le nombre de malades. Ça ne fait que empirer. Je ferai une deuxième infirmerie, mais j'aurais bien voulu m'en passer, mais ça me paraît nécessaire.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, la fin des Londoniens. Beau travail. Alors, plus 2500 charbon par jour. Bois plus 208. Alors, je me tâte à améliorer les maisons. Mais c'est peut-être pas nécessaire pour l'instant. Faut qu'on ait plus de gens en forme. De toute façon, j'ai pas. J'ai. Faut que je trouve des gens. Il faut des ingénieurs. Alors attention. Voilà. Alors, c'est le jour relou. Sympa la maison de soins, tout le monde est en train de crever. On était déjà pas bien vaillant avant de tomber sur cette journée horrible. On a 3 heures de charbon là. Ça va passer, ça va passer. Allez, ah oh, putain, je touche, mais je la... Ça suffit pas. Alors, sans l'automate, qui va aller ramasser ça?
Allez. Ah oui d'ailleurs, mince. Si, c'est bon, j'ai mis les radiateurs. Aciérie avancée, très bien. Hop, mécanisation des infirmeries. Ça va libérer de la main d'œuvre. Aide de cantine. Capitaine d'un groupe d'amputés. Et des amputés. Alors, ils veulent quoi? Ils veulent aider à la cantine. Nous construisons une simple prothèse en bois, nous pourrons aider à la cantine et gagner notre pain. Allez. C'est mieux quand on la met en route. La maison de soins, la personne n'en veut. Alors, peut-être par contre, si je mets... Ah, c'est bon. On aura un petit répit sur 3 jours et c'est là où il faut qu'on soigne tout le monde. Sur 3 jours, il faut que le système de santé, tac, il se rétablisse. Quand même remettre une troisième infirmerie, tant pis, au pire je démantèlerai pour récupérer le noyau après, mais là il y a urgence quoi. Allez, je la mets là. Pas évident hein, de gérer une ville glacée. Allez, améliorer les maisons là. Est-ce que je peux mettre... Ah, c'est vrai que celle-ci fonctionne. Ce serait bien que celle-ci fonctionne, oui, effectivement. Invité inattendu, capitaine d'un groupe de survivants. Alors qu'il y a déjà plein de gens qui sont mal en point. Je pense que, à nouveau, je vais avoir des soucis.
protecteur de la vérité. Ouf. Pour l'instant, moi, ça me va. Il y a plein de gens très malades. Allez, ça remonte, moins 50. Ok. J'ai pas du tout de four de charbon là pour le coup. Sans acier, j'y suis loin. Voilà, les foyers qui consomment moins, ça c'est très très bien. Alors, justement, parlons de moins consommer. Là, je laisse. On se gèle dans ce poste médical là. Faut que je travaille l'isolation des lieux de santé. Bon, c'est pas mal. Cantine là, faut y aller. Manque de soins, ça y est, ça commence. Alors, mine papillon. Un poste médical. Je voulais trouver une cantine surtout. Alors, est-ce que je peux bien la mettre? Voilà. C'est bon pour l'âme, la campus. Eh ben très bien. Recherche terminée. Alors, je vais juste attendre un tout petit peu d'avoir 100 en acier. Hop là! Et c'est parfait.
Allez, il faut vraiment qu'on ait les... Voilà. Un décès. Dépêchez-vous. Faut soigner tout le monde. Même s'il y a 1 milliard de personnes. Les maisons froides. Certains s'inquiètent de la basse température à l'intérieur de leur maison. Quelques logements. On va faire quelques logements. Supportable. Ça va quand même. Alors, où ce n'est pas supportable? Ah ouais, effectivement, il y a plein de trucs frais. Voilà. Allez. Repère dans une grotte. On explore. Des hommes fatigués. On va leur parler. Oui, on les ramène. Allez! Affronter la tempête. Avec 30 malades. Fouah, tout le monde est bienvenu. Allez. Dieu nous a confié une mission. Bah écoute. Hop. Déjà là, c'est bien, c'est que je peux remplir plein de bâtiments. C'était un peu la galère. Voilà. Ah, c'est pas mal. Je vais remettre une infirmerie encore. Ouh. Voilà, c'est pas mal. Allez. Ah oui, les maisons.
Voilà. Alors, mine de charbon, plus 3000 par jour, très bien. On est bien là. Allez, nouvelle techno. Ressources. Amélioration du dépôt de ressources. On va en avoir besoin. S'il faut qu'on stocke de la bouffe. Noyau de vapeur. Comment ça me manquait, une autre vapeur là? Et comme d'hab, c'est la santé qui déconne dans ce jeu. Ok. Grand entrepôt. Alors, sûrement après. Isolation des bâtiments de santé 2. Déjà, le 1. Voilà. Parce que tout le temps qu'on passe à soigner les gens, ben on le passe pas à faire des recherches. Ça aussi le problème. Allez. Après-demain, il fait froid. Davantage lit de malade. Eh ben allez, nouvelle infirmerie, c'est la dernière qu'on va pouvoir construire. Après moi j'ai plus de noyau. Hein. Dire que j'aurais pu avoir un noyau par jour là si j'avais pu avoir mon avant-poste, mais.
Pas eu le temps. C'est chaud, hein. Enfin non, c'est froid, juste. Allez. C'est bon pour les maisons. Faut les garder chaudes maintenant. Seconde vague. Allez, tout le monde est le bienvenu. Un sur deux. Vous voulez deux nouvelles infirmeries? C'est pas normal. Alors. Bassin gelé ou dameuse endommagée ou rien d'autre ou rien d'autre. Ça fait 20 ans que t'es là, toi. Prends les ressources. Des caisses, probablement. Allez. Alors, attends, je retire l'automate. Il va faire de la bouffe, l'automate. Alors, parce que là, on est hyper nombreux, donc... On va en profiter. Isolation des bâtiments de santé. Très bien. Équipement des chasseurs. J'ai que des ouvriers là. Ah oui, il y a plein de gens du coup qui ont plus de baraque. Les éclaireurs. Vivre cru, on explore. Vieux dépôt, roche étrange. Prends les ressources. J'ai même pas les mêmes chemins que tout à l'heure, c'est marrant ça quand même. Vieille cabane. Une roche étrange. Alors. Hop. Hop. Et surtout,
en techno. Fouille de vapeur. Je pourrais faire un autre terminal. Ah, mais je peux faire deux terminaux en fait. Voilà comment je fais pour être plus d'avant-poste. Gros malin. C'est bien de le savoir. Écoute. Mais jamais trop tard. Enfin, c'est un peu con, j'aurais pas trop le temps de l'optimiser à fond, la nouvelle équipe, mais c'est pas grave. Enfin, de la rentabiliser surtout. Où est mon automate? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, j'ai mis à la serre, c'est vrai. Là, je mets carrément un nouveau quartier, quoi. Presque à fond en charbon, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Du coup, chauffage. Je peux augmenter la portée. À portée de 1 s'il te plaît, déjà pour commencer. Et comme d'hab, il me manque des ingénieurs pour la recherche. Ok, it's time off. Très bien. Bon, je dirais pas qu'on est dans une mauvaise situation. On est sur un équilibre précaire, je dirais. Vieux dépôt, vivre cru et bois. Découvert un véhicule accidenté. Alors, t'as quand même des noyaux de vapeur. Plein de bois, waouh. Là-bas. Mettre des dépôts de ressources. Quand même une sacrée prod par rapport à ce que j'avais juste avant. Voilà. Caisse en bois. Il n'en reste que 13, mais ce serait bien de les terminer. Voilà. T'automate, t'es où? Il est où cet automate? Ah, la serre, c'est vrai. Alors,
J'ai plein de gens, je peux mettre plein de trucs de chasseurs et je pourrais améliorer après. Voilà. Ok. Bon. Bah ça promet. J'espère qu'on va tenir le coup. Et que ça va aller de mieux en mieux. Et qu'on va réussir à soigner des gens. Peut-être... Il reste encore des gens dehors. Ah, mais au bout d'un moment, ça va quoi. Alors, charbon. C'est bon. Je vais juste finir les dépôts parce que sinon je vais oublier quand je vais vouloir recommencer. Tu fais trop froid ici là? Ah mais c'est parce que ça s'allume... Non, je te mets en 24 heures. Voilà. Troisième vague. Allez, tout le monde est le bienvenu. Qui nous attend? Le grand froid. Et ben ça y est, de retour. Sale bête. Vivre cru et des rations aussi. Faudra améliorer des rations. Petite route. Là, voilà. Bon, je te laisse... Ça bosse ou pas là, Jean-Michel Jean-Michel Siri, il est où? Voilà, c'est bon. J'ai eu... Ah! Roche étrange! Nos recherches n'ont rien donné, mais à partir d'ici, nous pouvons peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Alors, faut se dépêcher, hein. Ok. Là, cette fois-ci, c'est bon. C'est l'heure de la petite pause. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très vite pour la suite de Frostpunk. J'espère que tout se passera bien. Et qu'on arrive à soigner tout le monde, surtout. Mystère. Hop, hop. Les ateliers. Allez, à très bientôt. Ciao.